de vous introduire à chacun de mes musiciens exceptionnels parce que vraiment, comme je disais, j'ai trop de la chance d'être entourée par eux. Donc, je vais commencer au violon. Pascal Finet. Vous n'êtes pas fatigué en fait. C'est frais, hein, vous avez remarqué, c'est frais. April, May, avril et mai, il fallait y penser. Alors je lui ai demandé effectivement si on avait la possibilité, vous savez que je vous l'ai dit hier que les Américains n'ont pas de rappel, etc. Mais chez nous, on aime bien avoir des rappels parce qu'on aime bien finir sur une bonne note. Mais avant toute chose, j'aimerais aussi vous présenter des artistes de grand talent que l'on appelle tout simplement les bénévoles, que je vous demande d'applaudir très 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 fort. Parce que ces bénévoles, c'est ceux qui font le travail ici. Je vais demander à Chantal de venir nous rejoindre, la présidente, accompagnée de Didier. Allez, Didier, qui est le trésorier de cette association. Et puis, je ne vais pas te demander le prénom de tous les bénévoles, mais par contre, je vais demander à tous les bénévoles, ils ne sont pas tous là, évidemment, parce que nous en avons eu samedi, nous en avons eu dimanche, il y en a qui sont venus samedi et dimanche, depuis vendredi, ils n'ont pas terminé, pour la simple et bonne raison, c'est qu'après le festival, eh bien, il va falloir beaucoup de rangement, de mise en place, faire les comptes, comme on dit, etc. C'est le but et la manœuvre d'un festival associatif. On dit qu'on sait que c'est pas très très facile, mais on sait aussi que vous êtes fatigués, donc c'est pour ça que c'est clap-clap de bonheur. On espère qu'ils vous atteignent au maxi, parce que pour nous, que ce soit les artistes derrière, au niveau de l'animation, etc., ça a été un pur plaisir de vous avoir avec nous une fois de plus. On va demander à tous les bénévoles de AEP Le Sentier de venir nous rejoindre, s'il vous plaît. Et ils sont nombreux. Très, très nombreux. Ils sont fatigués, hein. Très fatigués. Mais là, ce soir, ce sont eux les artistes, les vrais artistes. Parce que je tenais quand même à préciser que sur cet événement,
C'est ce que je demandais à Chantal, qui est la présidente. C'est exactement à deux personnes près, la même équipe que l'année dernière. C'est ça ? Donc à deux, trois personnes près, exactement la même équipe que l'année dernière. Donc c'est combien ? 40, 45 bénévoles ? 45 bénévoles. 45 bénévoles, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois, parce que on sait très bien que chacun aussi a sa vie perso. Je vais en prendre, allez, une personne au hasard. Allez, une personne au hasard. Tiens, viens me voir. Il y en a encore derrière. Oh là là, ils sont nombreux. Est-ce que pour toi, faire partie d'une association et puis organiser, parce que vous êtes des co-organisateurs, les bénévoles, co-organiser un festival comme celui-ci, est-ce que ça restera un bon souvenir ? Tout à fait, un très très bon souvenir. Et je suis là tous les ans depuis 6 ans. Ça veut dire qu'elle ne veut pas lâcher sa place, hein ? Et qu'elle ne lâchera pas sa place. Merci beaucoup. Donc on ne peut pas citer le prénom de tout le monde. On va demander à April May de venir nous rejoindre, s'il te plaît. April, avec Lionel également. Lionel vient nous rejoindre également. Kevin vient nous rejoindre également. Voilà, ce sont des artistes de talent. Tu as fait un très très bon choix parce que tu as deux garçons. Toi aussi, tu as fait un bon choix. Hein. Tu as fait un très très bon choix. Oui, oui. Alors, tous les deux, je ne sais pas si vous avez fait un bon choix, mais en tout cas, félicitations. Je vous présente Kevin, April May, Lionel. Lionel, donc, au Pedal Steel. Je voudrais simplement, Lionel, je te le fais chaque fois, mais c'est important parce qu'il y a des gens qui viennent nous rendre visite. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots un petit peu ta machine, à quoi elle sert, s'il te plaît ? Je me le demande encore maintenant. En fait, ça vient de la guitare hawaïenne. On joue avec une barre en métal et on fait glisser sur les cordes. Et c'est ce qui donne le son de la Pedal Steel. Avec des c'est aussi facile que ça ? Oh, bah, regarde, si j'y arrive, tu dois pouvoir y arriver. Tu pars. Lionel Wendings, donc un grand talent dans le domaine du pedal steel. Kevin, harmonica, ça fait plaisir ça. Ah ouais. Harmonica, alors justement, tout à l'heure je passais, je vois une mallette, il y a 12-14 harmonicas. C'est pour la frime, dis-moi. Non, parce que c'est un harmonica qu'on appelle diatonique, donc qui est tonal, donc par tonalité. À la différence de l'harmonica chromatique avec un plus gros, avec une tirette. Ah d'accord. De demi-ton en demi-ton. D'accord. Là, je suis obligé d'avoir toutes les tonalités pour. Moi, je pensais pour la frime, en fait. Non, pas du tout. C'est pour pas être dans la merde quand tu. Les gens qui jouent dans une tonalité autre. Là, on va jouer en fa dièse. Merci. Ah, est-ce que je l'ai ? Voilà. Merci beaucoup. April, ce premier concert à Évreux, pour toi, quel est ton ressenti ? Quel plaisir. Merci beaucoup. Je suis très, très contente. Merci pour votre accueil. On va te demander une faveur. On ne le demande pas à tous les artistes, mais. C'est l'occasion de terminer ce festival, de le clôturer, de le fermer. On va te demander, si ça t'embête pas, un dernier morceau pour nos amis qui sont venus nous voir. Et puis, avec la présence de nos bénévoles derrière. Ça vous dérange pas, les musiciens ? Non ? Moi, je voudrais juste rajouter quand même quelque chose, c'est que le groupe existe depuis très peu. Et donc, je voudrais remercier quand même Madame la Présidente, Monsieur le Trésorier, voilà, de cette association qui nous ont fait confiance, voilà, pour qu'on soit présent avec vous ce soir. Merci beaucoup. Alors, je tenais à préciser, merci Kevin, nous on se connaît depuis quelques temps. Kevin est un très grand artiste, mais vous avez eu. Vous avez eu, c'est vrai, comme toutes les années, mais je veux dire que ça va être de plus en plus compliqué pour vous, pour la simple et bonne raison, c'est que cette année, nous avons eu également une programmation qui a été vraiment très très chouette. On a eu, il ne faut pas oublier, hier, Nasli et Chattahoochee, avec un très très beau concert. On a eu, bien sûr, nos amis américains qui étaient présents. On a eu cet après-midi, vous avez vu, nos amis Redneck, là, qui sont arrivés avec une situation un peu faux-folle, rien dans le folk, et puis que c'était vraiment extra, et puis c'est vous qui clôturez. Je vous laisse finir, je vous dis merci pour ce moment, ce partage, et puis à très bientôt. Au revoir. Ah, merci à vous. Oh, mais si. Ah, si, il me faut des cœurs. Vraiment. Donc, justement, on va finir avec une chanson que je pense que vous allez connaître. Donc, j'espère que vous chanterez avec nous et même. Oui, on va faire en sorte qu'on peut finir tous ensemble. Donc, merci encore vraiment, c'est un plaisir d'être ici. OK. Merci. I was standing. Thank you.
C'est la chorale d'Evreux. Bravo aux chanteurs et aux chanteuses. Oui, c'est la chorale d'Evreux. Je voudrais remercier deux personnes particulièrement, parce que depuis 6 ans, ils nous accompagnent. Ils sont là de 11h du matin, même 9h du matin, jusqu'à 2h, ils assument. Ils remercient tout le monde, mais on les remercie rarement. Donc j'appelle Denis et Marie-France. Et je voudrais une ovation pour Denis et Marie-France. Voilà. Parce que on choisit nos artistes, mais la couleur du festival, c'est de notre festival, c'est Denis et Marie-France surtout qui l'ont amené pendant 6 ans. Voilà. Donc c'est la première fois que je les remercie. Merci beaucoup. On en profite pour remercier Ivan, Carlos et Nico qui sont à la régie son. Merci Lionel de nous avoir fait une fois de plus cette petite parenthèse parce qu'eux aussi sont cachés et c'est un très très bon festival. On vous dit à bientôt. Merci April May. Voilà, c'est pas November December mais c'est le printemps. Merci beaucoup en tout cas, ça nous a fait vraiment beaucoup plaisir. À très très bientôt. Merci.